je pratique le triathlon depuis de nombreuses années. Je fais partie de l'équipe de France de triathlon civil et militaire. La première fois dans le triathlon pour moi, c'était en l'an 2000. J'ai réalisé une très belle performance que je suis arrivé premier. Et tout de suite, ça m'a tellement plu que j'ai voulu recommencer et recommencer et toujours continuer plus. Mon meilleur souvenir en triathlon, ça reste le championnat du monde à Hambourg en 2007, où j'ai remporté l'or. J'étais junior, c'était plein d'espoir pour moi. Donc j'ai pris évidemment le choix de quitter la région parisienne et de venir dans le sud de la France pour bénéficier des meilleures infrastructures. J'ai trouvé mon équilibre sur Saint-Raphaël en Provence. Là, je suis à fond pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Tout ce qui est lié à l'entraînement, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on mange, surtout à l'hydratation aussi, parce que c'est quand même un sport d'endurance. Aurélien, avant ton départ, ton dernier repas doit être léger et facile à digérer. L'hydratation doit rester capitale et primordiale, puisque ta première épreuve, c'est l'épreuve de natation, et il ne t'est pas possible de t'hydrater. La durée en triathlon, c'est à peu près 2 heures de temps. Avant le départ, j'aime bien avoir un petit apport en sucre supplémentaire pour faire un très bon départ, très nerveux, pour me positionner tout de suite aux avant-postes. Sur le vélo, donc, ça dure quand même 1 heure de temps. Là, je préfère un petit apport énergétique solide. C'est plus facile pour moi d'assimiler. Et puis évidemment, bien boire. J'aime bien avoir 2 bidons sur le vélo pour être sûr de ne pas manquer. Et en course à pied, avoir toujours le petit gel dans la poche, un petit coup de fouet pour terminer, ça fait pas de mal. Ton épreuve de vélo, Aurélien, est capitale, car cette épreuve va te permettre de te réhydrater et de refaire tes stocks en énergie. Tu peux consommer une boisson de l'effort qui va te permettre de t'apporter de l'eau pour l'hydratation et des glucides pour l'énergie. Attention, pendant ton épreuve de course à pied, il te faut boire régulièrement et par petites gorgées. Pour la récupération, c'est vrai que mon hydratation, c'est vraiment la priorité. Il faut tout de suite recharger les batteries, donc toujours avec un peu de sucre. Il faut des choses faciles à assimiler, c'est vraiment très très important. Après les séances difficiles, c'est vrai que surtout à pied, parce que c'est quand même très traumatisant, on aime bien tremper les pieds dans l'eau froide. Ça permet de baisser la température du corps et puis de relaxer un peu les jambes. Et puis surtout d'échanger un peu avec les collègues, de reparler un peu de la séance et de voir ce qu'on peut améliorer. Pour ta phase de récupération, Aurélien, je te conseille de continuer à t'hydrater dès la fin de ton effort. Je te recommande également de consommer des protéines afin de réparer les tissus qui ont été fortement sollicités pendant l'activité physique. Pour la récupération, c'est très très bien.